gloire à l'agneau de Dieu. J'avais dit que ça, c'est une très belle offrande que j'ai fait, le sacrifice, l'autel que j'ai bâti pour ma femme et les enfants. J'avais dit pour moi, on ne met pas ça dans la caisse du ministère. On va sacrifier ça pour quelqu'un qui en a besoin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Restez assise avant de vous lever. Prenez seulement les enveloppes, restez assise. Il y a des pieds qu'il faut. On a un sportif. Vois comment j'étais assis. Hein? C'est un sportif que ça soit comme ça. Wow, c'est bien de faire le sport. Hein? Depuis l'âge de 19 ans que j'ai laissé le sport. Amen. Bon, moi je vais commencer par moi. Venez les enfants. Ils sont. Vous allez d'abord prier pour nous. Vous ne pensez pas que ce n'est que vous qui avez besoin de notre prière. Moi aussi j'ai besoin de votre prière. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Moi aussi j'ai besoin de votre prière. Moi aussi je consacre ma vie. Et les enfants, venez ici. Agenouillez-vous. Les filles sont où? Agenouillez-vous là. Est-ce que ce message vous a béni? Amen. Mais j'espère que tu étais déjà dans live et tu as déjà préparé ton Naziria, non? Ou tu veux le préparer ici? Ah. Bon, préparez. Alléluia. 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 Amen. Tu prends seulement l'enveloppe, tu écris le nom de tes enfants, de ton mari si tu es marié, et tu mets ton offrande dedans. Moi, je crois à ces actes prophétiques. C'est pourquoi tout ce que je vous enseigne, je le fais moi-même. Ok? Bon. Hein? Mais tu écris seulement toi-même. Oui. Tu écris toi-même. Tu te consacres toi-même. On a dit la consécration de famille et de sa vie. Donc tu peux consacrer toi, ta propre vie. Mettez le nom et l'offrande dedans. Vous savez, quand on sacrifie à Dieu, sacrifie avec ton cœur. Ne sacrifie pas seulement pour dire que bon, je fais seulement comme ça là. Voilà, de toute façon, c'est de l'offrande. Ça, ce n'est pas de l'offrande normale. Ça, c'est une offrande de sacrifice. Cela veut dire que tu sacrifies quelque chose à Dieu qui est important. C'est pourquoi, pour faire descendre le feu, Élie a demandé qu'on puisse verser trois fois. Quatre seaux d'eau. Bon, faites d'abord pour nous. Arrêtez un peu d'abord. Priez d'abord pour nous. Après, moi je vais continuer, vous laisser. Levez la main droite, priez d'abord pour nous. Donc vous allez prier pour la famille du sacrificateur. Demandez à Dieu que Dieu puisse accepter notre sacrifice. Que Dieu accepte cet autel que nous venons bâtir pour notre ministère, pour notre santé, pour nos enfants. Priez le Seigneur pour nous. Levez la voix, priez le Seigneur pour nous. Dites de bonnes paroles. Prophétisez sur nous. Soyez des prophètes. Alléluia. Soyez des prophétesses. Parlez pour cette famille. Dédicacez cette famille à Dieu. Que Dieu accepte notre autel ce soir. Jésus, Adonai, le Dieu de Dieu, gloire à toi le Dieu souverain, gloire à toi le Dieu capable, oh gloire à toi le Dieu tout puissant, accepte mon autel, je viens encore reconsacrer mon épouse, mes enfants. Je viens reconsacrer ma vie encore entre tes mains. Que tu puisses étendre ta main.
au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Papa Guillaume, il est où? Où est Papa Guillaume? Hey! S'assois par terre. Ok. C'est à vous de prendre cet hôtel. Viens. Ne bâtis pas un hôtel qui met 5 euros dedans. Tu es en train de minimiser ce que tu fais. Vous n'avez pas besoin de voir, vous voyez? Vous voyez ça? Hein? On n'a pas besoin de dire le mot. Merci beaucoup. Que ton Dieu aussi puisse nous bénir. Histoire sur ma vie. C'est un message que j'ai prêché il y a 2 ans passés. Et le Saint-Esprit m'a encore amené à ce message. Que ma vie n'est pas à vendre. Quelqu'un peut prendre ta vie. Quelqu'un peut vendre ta vie. Quelqu'un peut trafiquer ta vie. Quelqu'un peut pirater ta vie. Toi, tu vis sa vie et lui, il vit ta vie. Et je vous ai donné des versets bibliques. Apocalypse dit que des vendeurs de corps et d'âme d'hommes. Il y a des gens que le diable peut utiliser et que le diable utilise pour échanger nos vies. Et beaucoup d'entre nous ici, vous allez comprendre que nous ne vivons pas vraiment ce que nous devrions vivre. Les autres, nous-mêmes, comme je vous ai donné mon exemple, moi, c'est moi-même qui ai donné ce qui m'appartenait. Tu peux toi-même donner ce que Dieu t'a donné par amour, par insensibilité. Voilà, tu peux donner ce que Dieu t'a donné. Et ça devient la vie de l'autre. Et toi, tu commences à souffrir. Je viens de recevoir un témoignage d'une sœur qui est parmi nous, qui est en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'un bon cœur. Parmi les personnes qu'elle reçoit chez elle à la maison, il y a une qui se présente comme chrétienne. Qui dit qu'elle est chrétienne, elle a les dons de Dieu, et puis qui dit à cette sœur que toi aussi tu as les dons de Dieu, mais qui en réalité, c'est quelqu'un qui veut être comme elle. Elle est mariée, elle a un bon mariage, le mari a un bon travail. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme souffrait beaucoup. Elle n'arrive toujours pas à voir sa nationalité, elle n'arrive pas à avoir du boulot. Voilà, elle se met avec elle et commence à la fréquenter. Et la vie de cette sœur commence à se dégringoler. Amen. Pour vous épargner les détails avant que je puisse entrer dans le vif du sujet, elle m'a raconté quelque chose que j'ai tenu à vous dire. Faisons beaucoup d'attention. Le monde que nous vivons, c'est un monde très dangereux. Cette femme lui dit, on va jeûner 3 jours. Il le fait venir chez elle. Et pendant qu'elle arrive chez elle, elle se sent déjà pas bien. Et puis, il prend son téléphone. Elle prend son téléphone, elle va brancher le téléphone. Elle met son téléphone à côté. Et cette femme prend aussi son téléphone, vient mettre son téléphone à côté de son téléphone. À côté seulement. Écoutez bien la sorcellerie. Elle met le téléphone à côté de son téléphone. À un moment donné, elle a fini, il a donné à manger, n'a pas prié, elle a seulement prié dans son cœur. Et puis, elle est repartie à la maison. Non. Elle a accompagné au Pôle emploi. Après, elle est repartie à la maison. Celle qui ne travaillait pas, qui n'avait pas de boulot, qui souffrait partout, à la nationalité, elle a 3 boulots du coup. Mais ce qui est dangereux, c'est quoi? Le même jour-là, elle a mis le téléphone, la sœur est repartie chez elle à la maison. À un moment donné, cette femme l'appelle pour lui dire, il y a un numéro qui vient de m'appeler du pays, donc de votre pays, parce qu'ils ne sont pas du même pays.
Il y a un numéro qui vient de m'appeler de votre pays. Elle dit, elle a le réflexe, dit, donne-moi le numéro. Elle lui donne le numéro, elle regarde le numéro, elle appelle le numéro, c'est son mari qui répond au pays. Son mari, c'est un Européen qui est parti au pays en mission, qui n'a jamais vu cette femme, qui ne la connaît pas, qui ne se sont jamais vus. Comment se fait que cet homme appelle cette femme? Vous comprenez ça? Donc même le blanc, ça lui dépasse quoi. Donc le monsieur dit, mais moi, je ne comprends pas, ça fait quelques secondes que ce numéro vient de se déclencher, je viens appeler, mais je ne comprends même pas ça vient d'où. Comment j'ai appelé ce numéro? C'est retrouvé sur mon portable, hein? Comment? Je ne connais pas même la personne. Mais la sœur regarde que oh, c'est vraiment le numéro de cette femme-là. Mais comment le numéro de cette femme est arrivé là-bas, au pays là-bas, chez le blanc? Ne mangez pas avec n'importe qui. Ne dormez pas avec n'importe qui. Elle a seulement mis le portable à côté de son portable. Il y a eu la connexion. Donc elle a envoyé le numéro, son numéro à elle. Elle a envoyé son numéro vers le mari de l'autre qui était en Afrique à 8000 km. Et cet homme, inconsciemment, appelle cette dame. Et pour créer le désordre, elle donne maintenant le numéro à la femme de cet homme pour dire qu'en quelque sorte que comment mon mari veut me tromper ou comment. Vous voyez comment le diable fonctionne? Ne jouez pas avec la sorcellerie. Nous vivons dans un monde très dangereux. Comment un portable que quelqu'un pose seulement à côté, il a la capacité de donner les numéros à quelqu'un qui est en Afrique? La sœur, elle est là. Quand on prend ces choses, souvent, beaucoup d'entre nous, nous pensons que c'est du bluff. Je dis, même si tu ne crois pas que Dieu existe, crois néanmoins que Satan existe. Ah. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit, non? Donc, si tu ne veux pas croire que Dieu existe, ce n'est pas un problème. Mais crois quand même que Satan existe. Satan existe. Si tu ne veux pas croire que Dieu existe, mais crois néanmoins que le mal existe. Le mal existe. Et comment faire pour combattre le mal? Il nous faut beaucoup s'approcher de Dieu. Nous devons connaître le mystère de la parole de Dieu. Aujourd'hui, vous avez des messages, par exemple, le retour à l'expéditaire, l'étranglement. Moi aussi, il y a peut-être 10 ans, 15 ans passés, si vous me disiez de faire la prière de retour à l'expéditaire, je vais te dire que non, ce n'est pas une bonne prière. J'allais te dire que non. Ce genre de prière, les chrétiens ne doivent pas le faire. Mais je suis passé par là pour qu'aujourd'hui je puisse vous enseigner ces choses sans tabou, sans réserve. Parce que je vous dis des choses que j'ai vécues. Dieu a permis que je passe là-bas. Les gens peuvent te faire du mal et rester calme, rester tranquille, aller même manger la pizza. Les gens peuvent te tuer et passer devant prophétiser. Vous comprenez ce que je vous dis? Ça peut être ta propre sœur, ça peut être ta propre mère. Gloire à Dieu, à part ce témoignage. Mais seulement aujourd'hui, il y a une autre fille à moi qui est aux États-Unis qui m'a appelé en pleurant, disant, le message que tu donnes, papa, m'a apporté la délivrance. Parce que j'avais du mal à croire. Moi, c'est ma propre maman qui me détruit. Je retrouve ma maman. Moi, je me suis marié, je suis aux États-Unis. Ma maman, elle était ici aux États-Unis. Un jour, elle vient à la maison, elle s'assoit. Mon mari part au travail et elle me dit, tu dois choisir entre moi et ton mari. Et la fille lui dit, mais maman, moi j'ai deux enfants avec mon mari. Je suis encore enceinte de troisième enfant. Bon, je vais te choisir comment?
Donc tu vas maintenant élever mes enfants ou comment? En tout cas, maman, fais ce que tu veux. Moi, j'ai choisi mon mari. Moi, j'ai choisi mon mari. Maman est partie chez notre frère et demi-frère. Déjà, il a fait des enfants avec 4 hommes, ok? Voilà, il est parti chez notre demi-frère. Comme il a compris que la fille est décisive, reste avec son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Un jour, elle revient à la maison pour achever la fille. Quand elle revient, il fait un coup. Le premier coup, sa fille le trouve dans sa propre chambre. Mais maman, tu fais quoi ici? Oh, j'étais en train seulement de regarder, mais tu fais quoi dans la chambre, maman? Moi, je suis marié. Toi, tu es maman. Hein? Il y a des caleçons ici dedans quand même. Ce n'est pas, c'est pas normal quand même, entrer dans la... Tu vois les caleçons de ton beau-fils. Bon, je ne sais pas vous les autres, pour nous les Bakongo, c'est interdit de voir les caleçons de son beau-fils. On ne voit pas ça. Amen. Amen. La fille part au boulot. Dit, maman, sors de la chambre, s'il te plaît, part au boulot. Pendant que la fille est en train de travailler, c'est sa maman qui l'appelle et dit, ah, tu sais ce que j'ai trouvé? Ton mari a une femme. Ton mari a une femme ici, là je l'ai attrapé. Mais maman, tu l'as attrapé? Oui, il a une femme. Elle prend le téléphone, elle appelle son mari, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Eh, maman, t'as attrapé avec une femme. Elle dit, mais quoi? Mais moi, je suis sur l'autoroute. Je suis seul dans la voiture et j'ai seulement mon sac ici à côté. Peut-être c'est le sac là qui est ma femme alors. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Il dit, rentre à la maison. Il dit, non, 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 je vais finir avec cette belle maman. Elle arrive et dit, mais qu'est-ce que tu cherches au fait? Après, maman va l'appeler, oh non, j'ai seulement dit ça pour... C'est ta propre mère. Moi, je voudrais dire à une personne, ta vie n'est pas à vendre. Mais si tu ne veux pas que ta vie soit vendue, deviens violent. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est Jésus qui a prêché la violence. Il a dit, depuis le temps de Jean Baptiste, jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Nous devons changer notre manière de prier. Nous devons changer notre manière de voir des choses. C'est le temps que tu dois te mettre debout et dire que non, ça ne doit pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Ça fait combien d'années que tu pries? C'est ton propre petit frère qui est ton ennemi. C'est ta propre petite sœur qui est ton ennemi. C'est ton propre père qui est ton mari de nuit. Et le Seigneur nous a mis à cœur de briser ces liens, de casser ces esprits-là, afin que nous soyons libres. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. J'ai compris une chose. Le fait d'être bon ne veut pas dire que tu vivras bien. Tu peux être bon et vivre mauvais. D'ailleurs, c'est souvent comme ça. Les gens bons, ils vivent mauvais. Et les gens méchants, ils vivent bien. Nous devons faire beaucoup d'attention. Nous avons tiré notre message à l'exemple de 1 roi chapitre 3. C'est deux femmes qui dorment ensemble, dont l'autre tire l'enfant, et le matin, la nuit va déposer l'enfant qui était mort à côté de l'autre, pour se réveiller le matin et commencer même à réclamer que c'est mon fils qui est vivant. Il y a des gens qui sont très têtus. Même quand tu vas attraper sa sorcellerie, elle dira que ce n'est pas elle. Même quand tu l'as attrapé la main dans le sac, il dira que ce n'est pas elle. Baola te lunginanga. Je ne sais pas en français comment je peux dire ça. Sois très d'habiller mon visage. Mettez ça dans mon dictionnaire. Toi, tu comprends un peu le lingala, toi qui es français. Ça peut, on peut interpréter ça comment? Ouais, ouais. Baola te lunginanga. Hein? Il a revêtu mon visage. Mais c'est vraiment lui. C'est déguisé en mon visage. C'est possible qu'on puisse changer votre vie. Tu peux être un esclave de la famille. On t'utilise, c'est toi. Je vous ai raconté ici, un jour mon père me dit,
Papa, famille. Je vais interpréter. Il ne faut pas beaucoup pleurer. Toi, tu es l'esclave de la famille. Je dis, papa, ne dis plus jamais ça. Je comprends, ça fait plus de 25 ans. Je veux... Cette femme-là, vraiment, si ce n'était pas une bonne femme, ce mariage allait se casser à longtemps. Parce que l'argent que ma famille a dévoré là, ma belle famille, je crois, elle n'a pris même pas 0,5%. Mais tu peux être chrétien et être lié, esclave de ta famille. Il faut se rebeller spirituellement. Ézéchiel 48 dit quoi? Ce qui est consacré à Dieu est sacré. Est invendable, est inchangeable et inaliénable. C'est pourquoi nous avons dit que nous devons maintenant entrer dans le Naziréat, se séparer de tes instants, se reconsacrer à Dieu. La meilleure façon de se protéger, c'est de se reconsacrer à Dieu. Et le Naziréat, c'est une opportunité pour chacun de nous. C'est une loi que Dieu a autorisée dans la Bible. Même quand ton père ne t'avait pas consacré, même si ta mère ne t'avait pas consacré, il y a la loi du Naziréat, tu peux te consacrer toi-même. C'est pourquoi Dieu avait mis le Naziréat, pour qu'il n'y ait pas seulement de Samuel et de Jean-Baptiste. Si ton père a oublié de te consacrer, toi tu peux te consacrer toi-même. Nous devons apprendre, bien-aimés dans le Seigneur, à vivre la vie de la consécration. Et ça paye bien. Ça va te donner la paix et l'assurance. Parce que tu diras comme Paul, je sais à qui je crie. Dieu est tellement fidèle. Quand on marche dans la fidélité avec Dieu, quelles que soient les douleurs, les sacrifices que nous allons passer, bien-aimé, il y a quelque chose qui va te distinguer. La paix intérieure. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. La paix intérieure. Tu ne vas pas envier. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont très enviés et qui viennent prêcher contre l'envie. Il y a des jaloux qui viennent prêcher contre la jalousie. Il y a des gens qui injurient les autres, ils se mettent debout et disent, il ne faut pas injurier. Mais c'est comme si ils ont eu la licence d'injurier les autres. Et quand nous entrons dans le Naziréat de Dieu et nous nous consacrons à Dieu, je vous assure la première des choses, vous avez la paix intérieure. Même quand les autres vont aller plus loin que vous, vous direz que je vais arriver. Parce que ces jours-là, la pluie ne devait pas tomber tant que la tortue n'était pas dans la barque. Peut-être qu'il n'a pas compris. Le déluge ne devait pas tomber tant que la tortue n'était pas dans l'arche de Noé. Vous savez, la tortue va lentement. Quand Dieu les a appelés à entrer, les lions étaient vite, waouh, les tigres, waouh. Mais la tortue aussi, comme elle a été appelée. Yes. Bien-aimé, ta consécration peut aller arrêter le déluge des sorciers. Jusqu'à ce que tu vas entrer dans ta destinée. Personne ne pourra t'arrêter tant que tu réponds à l'appel de Dieu. On peut te voler ta vie, tu le récupéreras. Parce que ce qui est consacré est sacré. Ah, dis à quelqu'un, je suis sacré. Je suis sacré. Je suis sacré. Je suis sacré. Ce qui est sacré appartient à Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, Israël c'est la portion de l'Éternel. Ah, j'aime dire ça, Lingala. Et teni yanzambe. La portion de l'Éternel. Donc, une partie. Il y a beaucoup, mais Israël, c'est une partie de Dieu. Amen. Qui veut devenir une partie de Dieu? C'est à travers le Naziréat. À travers la vie de la consécration. Parce que ce qui est consacré à Dieu, même si ton père a signé un contrat pour que tu meurs, tu ne mourras pas. Parce que tu dois entrer dans l'arche de Noé pour que tu continues à vivre. J'ai tellement la foi en ça. Ézéchiel 48, 14. La portion de la terre, des sacrificateurs. Dieu dit, même quand les sacrificateurs seront en crise, ils n'ont pas le droit de vendre cette terre-là. Parce que c'est une terre consacrée à l'Éternel. Même quand ils seront en crise. Vous savez, quand vous avez la crise, il y a des choses que vous commencez à vendre. Tu regardes une belle chaussure que tu aimes bien, tu dis, aïe,
je te sépare de toi. Parce qu'il y a une crise. Tu regardes une chaînette comme ça, tu dis, ah, bijou, na lingango ming. J'aime beaucoup ce collier. Mais la crise a frappé. Tu es obligé de te séparer du collier. Mais il y a des choses, tu dis, non, ça, je ne vends pas. Ça, c'est l'histoire. Je préfère que le huissier vienne me chasser, mais ça, je ne vends pas. Il y a des choses qu'on ne vend pas. Et toi, tu dois devenir invendable, inéchangeable. Parce que ce qui est consacré à Dieu, même quand cela part en Babylonie, ça va revenir un jour. Oh, je parle à quelqu'un. Nebuchadnezzar était entré, il a pillé le temple. Il a volé l'objet sacré du temple. Il a amené chez lui en Babylonie. Un jour, la Bible dit, Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Cyrus a dit, hey, venez récupérer les choses de l'Éternel qui sont ici. Ramenez ça là-bas à Jérusalem. Je déclare ce soir au nom de Jésus. Si ta vie était partie quelque part, que cette vie soit ramenée au nom puissant de Jésus. Si ton élévation était ramenée en Babylonie, qu'on ramène ton élévation chez toi au nom de Jésus. Tes enfants qui étaient ramenés en Babylonie, ils reviendront au nom de Jésus. Parce que tu les as consacrés à Dieu. Ce qui est consacré est sacré. Ce qui est sacré appartient à Dieu. Deviens intouchable. Amen. Si tu arrives à toucher ce qui est sacré, tu auras affaire avec Dieu. Amen. Un jour, les Philistins se sont sentis tellement forts. Tes ennemis se sentent tellement forts, tellement puissants. Ils se disent qu'ils vont t'écraser. Parce qu'ils sont forts. Ils sont nombreux. Israël était dans les péchés. C'était à l'époque de Silo. Avec le souverain sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des pécheurs, des impudiques, qui couchaient avec des femmes dans les temples. Il y avait un désordre terrible. Le jeune Samuel était dans le temple. Bien aimé, dans toutes les églises où il y a le désordre, il y a toujours un Samuel. Partout dans toutes les églises où il y a des frères impudiques, si tu regardes bien, il y a une catégorie de frères qui craignent Dieu. Ils sont dedans. Dieu a toujours les siens partout. Ils ont pris l'arche, ils ont amené au combat, paf. Les Philistins ont attrapé l'arche. Ils ont dit, on amène l'arche chez nous. Ce qui est sacré, si tu le prends, tu auras des hémorroïdes. Alléluia. Amen. Il y a une plaie qui va se déclencher après cette nuit. Hein. Après la journée d'aujourd'hui. Là. Il y a une plaie qui va se déclencher chez les Philistins. Ils ont volé l'arche. Il y a des choses qu'on ne vole pas. Si tu me voles, tu as volé Dieu. Consacrez vos enfants aujourd'hui. Consacrez vos vies aujourd'hui. C'est un acte prophétique qui n'est pas la première ni la dernière. De temps en temps, on doit se remettre en question et se dire, Seigneur, peut-être je suis tombé quelque part. C'était la vie de Job. Peut-être. Parce que la Bible déclare, nous péchons même quand nous ne savons pas. Nous pouvons pécher quand nous ne faisons rien. Vous comprenez ce que la Bible dit? Parce que la Bible dit quoi? Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc on peut pécher même sans rien faire. C'est bizarre, hein? Tu n'as rien fait, mais tu as péché. Mais tu n'as rien fait. Parce que la Bible dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc on peut pécher sans rien faire. Ah, tu n'as jamais raisonné comme ça, hein? Vous êtes à l'université ici. Je vous dis, je suis une bibliothèque. C'est pourquoi on a besoin du Nazuréat. Ça veut dire que de temps en temps, nous devons nous réconsacrer toujours à Dieu. Nous devons toujours faire comme Job. Il se peut qu'il y a quelque chose que je ne suis pas bien rappelé, que je n'ai pas bien fait avec Dieu. Alors, je vais encore consacrer ma femme, je vais encore consacrer mes enfants. C'est ce que Job faisait. Et lorsque Satan est venu, il s'est trompé d'adresse. J'aimerais bien que les sorciers de ta famille se trompent d'adresse. Qu'ils s'assoient et se disent, ah,
On a fait, mais là, on est coincé quoi. Ils ont pris l'arche, ils ont amené chez eux, ils ont fait une erreur, ils ont mis dans la maison de Dagon. Hein? Maintenant, Dieu est dans les ténèbres là avec Dagon, parce que c'est un temple de noir, hein? Un temple ténébreux, voilà, noir comme ça. Les Philistins, pendant qu'ils sont calmes là-bas, maintenant l'arche était là. Dagon était là. Dieu est bizarre. Dieu peut aller chez Dagon vraiment s'asseoir. Il se peut que Dieu a permis que les gens jouent avec ta vie. Afin qu'ils puissent le prouver. Qu'il y a un feu en toi. Hein? Réveille-toi, maman. Réveille-toi, ma fille. Il faut que tu comprennes que Dieu peut permettre à tes ennemis pendant une période d'avoir la victoire. Vous comprenez? Dieu regarde comme ça. Il a dit remplissez la terre. Vous devez remplir la terre au point de vue horizontal. Et ils ont dit non, nous allons progresser vertical. Vous comprenez ça? Dieu a dit vous devez remplir la terre dans un sens horizontal. Et ils ont dit non, nous voulons remplir la terre au point de vue vertical. Qu'est-ce qu'on va faire? On construit la tour de Babel. Dieu a vu la tour de Babel, il dit ce n'est pas ça que j'ai fait, ce n'est pas ça que j'ai commandé, mais Dieu les a laissés. Ils ont construit, Dieu regardait, Dieu. Quand ils sont arrivés à un niveau, Dieu a dit non, ça exagère. Ce soir, je vais déclarer parole, c'est la fin. Dieu va dire qu'ils auront exagéré. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est descendu seulement. Il a changé leur langue. Trouble. Et dans une construction, la chose la plus importante, c'est la communication. Donne-moi un bic, on donne un clou. Donne-moi le marteau, on donne un scie. Mais comment ça? Ils n'arrivent pas à se communiquer. La tour de Babel a pris fin. Pendant une période, ils sentaient la victoire. Que nous allons atteindre le sommet. On va arriver là-bas. Ils n'arriveront pas à t'achever. Dieu ne permettra pas qu'on t'achève. C'est pourquoi il t'a révélé ce message. Pour que tu puisses te reconsacrer encore à Dieu. On a l'impression à un moment que Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu veut que tes ennemis arrivent à un niveau. Que tout le monde voit qu'ils t'ont combattu. Moi, je suis un peu comme ça. Nous avons ça tout. Je suis un peu comme ça. Donc, Dieu va tout faire. Que tout le monde sache que sont tes ennemis. Qui t'ont fait du mal. Qui t'ont combattu. Parce que si c'était pas si Dieu t'avait défendu comme ça, là, ils sont tellement malins. Un jour, ils allaient dire on n'avait rien fait. Vous comprenez hein? Maintenant Dieu permet vraiment qu'ils doivent construire leur tour. Tout le monde maintenant voit la tour. Personne ne peut plus nier. Par rapport à ceux qui t'ont fait, de dire que je ne t'ai rien fait. Non, tout le monde a vu qu'ils t'ont fait du mal. Tout le monde a entendu qu'ils t'ont fait du mal. Oh, je parle à quelqu'un. Tout le monde doit savoir. Et c'est là où Dieu va intervenir. Ne continue pas à pleurer, il y a le Nazuria. Consacre ta vie à Dieu. Dagon est là, Dieu ici. Quand ils sont partis, hein, la nuit, il a déjà interrogé Dagon. Tu es capable de faire le boxe, oh oui. Dès qu'ils ont commencé, pac, la tête est partie. Mais Dagon, récupère ta tête pour commencer, continuer. Pas, non. Dieu souffle comme ça, les pieds partent. Le matin, ils viennent comme ça, Dagon est décapité. Je déclare au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Une décapitation des sorciers qui ont volé ta... Aïe, 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 aïe. Une décapitation des sorciers. Parce que... On ne vole pas ce qui est sacré. On ne vole pas ce qui est sacré. J'ai prophétisé, j'aurai la décapitation de tous les Dagons.
Les diacres de ta vie seront décapités au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont volé ce qui est sacré. C'est pourquoi Satan ne veut pas que les chrétiens se consacrent. Après une année, tu tombes encore dans les prêchés. Après 2 ans, tu tombes encore dans les prêchés. Tu deviens un serviteur demi-tarif. Un chrétien demi-tarif. J'ai dit, si tu tombes, tombes là. Tu ne dis pas que oh, ça fait 20 ans que je suis dans la foi. Tu dois calculer à partir de la dernière fois que tu es tombé. Alors calcule maintenant les années de ta foi. Parce que toutes les années là sont parties dans l'eau. La Bible dit, si tu fais, tu honores toute la loi, mais tu fais seulement erreur à une seule loi, tout ce que tu as fait partie dans l'eau. Donc si ça fait 2 ans que tu t'es remonté, là, dis, j'ai 2 ans dans la foi. Amen. Consacre-toi à Dieu. Entre dans une relation d'abstinence avec le Seigneur. Dieu, c'est un Dieu de la consécration. Dieu est propre. Satan n'aime pas la sainteté. N'aime pas la sainteté. Satan n'aime pas la sanctification. L'onction ne fait pas peur à Satan. L'onction, les prophéties, tu peux prophétiser, voir tout. Ça ne fait pas peur à Satan. Satan a seulement peur de ceux qui craignent Dieu. Amen. De ceux qui sont consacrés. Amen. Parce que ce qui est consacré est sacré. Même dans le monde, ce qui est consacré au démon appartient au démon. C'est ce que Paul dit, n'est-ce pas? Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Parce que ce qu'on a sacrifié au démon est au démon. Si tu manges quelque chose qu'on a sacrifié au démon, tu es en communion avec les démons. C'est pourquoi je vous ai dit pendant la semaine de la consécration, ne mangez pas avec n'importe qui. Proverbe dit, si quelqu'un te dit mange et bois et que son cœur n'est pas avec toi, tu vas faire quoi? Tu vas finir par vomir et perdre les bonnes intentions que tu avais. Comment se fait que quelqu'un qui a préparé la nourriture, du fait seulement de penser en mal, sa pensée négative là entre dans la nourriture. Et quand tu manges, ça t'affecte. Et imagine-toi que toi, tu penses qu'il a bien préparé. Mais et dans son monde spirituel, on lui a dit, tu vas tuer un bon poulet. Une poule, tu vas bien préparer. Et donne à n'importe qui de manger. Tu vas venir manger chez moi, hein, j'ai préparé, tu vas ouvrir une bonne beefsteak là. Tu comprends, waouh, on m'a bien reçu. Tu ne sais pas que c'est une cérémonie. Ah. Toi, tu ne sais pas que... Pourquoi vous voulez manger partout? Mangez chez vous. Vous mangez ici, vous mangez ici. Même la poule, quelquefois, il choisit où manger. Mais nous, on mange partout. Si la personne a fait une cérémonie, toi, tu ne sais pas. Il a consacré sa table aux esprits. Toi, tu dis, Seigneur, quelle bénédiction. Ah, la soupe, là. C'est Paul qui a dit, si quelqu'un c'est un faux frère, ne mange même pas avec lui. Oh, je ne suis pas en train de prêcher un faux évangile. Hein. Soyez prudent parce que quelqu'un peut te voler quelque chose en te donnant. Parce que donner veut dire quoi? Approcher et faire approcher. On bâtit l'autel pour quoi? On bâtit l'autel pour faire approcher Dieu. Quand Dieu passe chez nous, ça qu'on l'appelle, on doit bâtir l'autel pour l'arrêter, pour qu'il reste. Si on est quelque part et qu'on ne voit pas encore Dieu venir, bâtissons l'autel pour que Dieu vienne. La parole offrande, offrir signifie en hébreu, approcher et faire approcher. Attention, toute personne qui te donne, il ne t'étonne pas avec de bonnes intentions. Ne ramassez pas tout ce qu'on vous donne. Israël avait cette notion. À l'époque de la reconstruction, à l'époque d'Esdras,
La Bible dit, les gens du pays sont venus, « Ah, nous là, on est avec vous, on va travailler ensemble, on va bâtir la maison. » Il dit, « Non, nous bâtirons la maison de l'Éternel, hein, nous-mêmes. On n'a pas besoin de votre aide. » Quand ils ont refusé, la guerre a commencé. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup. Vous êtes nouvellement marié, vous demandez des choses partout. Oh, on manque de lit. Va, prends le lit. On va vous donner un bon lit. Voilà. On va vous donner un bon lit. Niaise, oui. On vous donne un bon lit. Ne demandez pas, ne parce que vous pouvez vendre votre vie. Ils ont dit non, 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 la maison de Dieu là est trop sacrée. Nous la construisons nous-mêmes. On ne veut pas des dons qui viennent à l'extérieur. On ne veut pas. Il y a des choses que vous devez faire vous-même. Hein? Vous voulez qu'on vous offre même des slips. Mais ce sont des choses intimes. Tu t'assois quelqu'un veut dire, oh, c'est un bon slip. Et quand tu vois d'autres gabarres, il dit, ah ça attention, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui sont trop sacrées. Il y a des choses ne permettent à personne de vous le donner. Vous devez vous-même, même à pied là, aller travailler et acheter ça. Parce que ça là, c'est trop sacré. C'est votre intimité, c'est votre secret. C'est à travers cette consécration que nous devenons sacrés. Et nous devenons plus forts. Et nous vivons la gloire de Dieu. Dieu a permis à beaucoup de gens peut-être de te voler ton argent. Pour qu'ils comprennent que toi, tu as un Dieu vivant. Amen. Quand ils sont venus le matin, ils ont vu que Dago était par terre, décapité. Ils ont dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont encore entêtés. C'était les hémorroïdes. Le pays était envahi par les hémorroïdes. Les femmes avaient les hémorroïdes. Les hommes avaient les hémorroïdes. Ils disaient, hey, il faut ramener l'âge là. Quand ils ont pris l'âge, ils ont amené eux-mêmes. Maintenant, quand ils ont compris la gravité, comment l'âge était sacré, ils ont dit non. Qui va encore porter l'âge là? Non, 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 personne. Donc, on a pris des généraux. Les généraux, non, 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 non. Appelez les capitaines. Les capitaines disent, hey, non, 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 non. Les soldats, hey, non, on ne veut plus transporter cet objet, est trop mystique. Il faut que tes sorciers là te voient mystique. Ah, je parle à quelqu'un. Il faut qu'ils te voient trop mystique. Comme moi. Ah, mes adversaires voient que je suis trop mystique. Ils disent, ce type là qui est petit là, il est compliqué quoi. Il est trop compliqué. Je suis trop mystique. J'ai dit toujours, je suis comme l'eau. Voilà. Je suis comme l'eau. Si tu me bloques quelque part, je vais gonfler. Je vais gonfler, je vais passer de l'autre côté. Si tu fais un trou et que je tombe dedans, donne-moi du temps. Donne-moi du temps. Tu ne peux pas arrêter une source. Parce que même quand tu as creusé une fosse, je peux tomber dedans. Mais je vais remplir la fosse. Et je vais continuer ma route. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas du tout compris. On ne peut pas arrêter ce qui est sacré. Tu ne peux pas arrêter une source d'eau. Parce que la source d'eau peut remplir une fosse. Ça peut lui prendre 2 semaines. Ça peut lui prendre 3 semaines. Mais ce qui est sûr, comme il le remplit, à un moment donné, la fosse là ne va plus le retenir. Il va déborder, il va continuer sa route. Je déclare au nom de Jésus-Christ, tu vas déborder contre tes ennemis. Ils ont chargé 2 bœufs. Ils ont déposé même les offrandes sur l'arche. Ils ont libéré comme ça. Ils ont dit, partez, quittez notre territoire. Très bientôt, ils vont te chasser. Même dans leurs rêves. Même dans leurs rêves, ils ne voudront même plus te voir. Non, même dans le rêve, quoi. Donc, même s'ils te voient dans le rêve, ils sont... Hey! Je vis. Qui? Parce qu'ils auront tellement peur de toi. Même dans les rêves, ils vont commencer à voir. Donc,
Ils vont commencer à demander, je ne veux même plus. Même dans le rêve, je ne veux même plus voir cette fille-là. Parce qu'elle me trouble. Deviens sacré. Alléluia. Ils vont lâcher la prise. C'est là où la Bible dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Que mille tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Vous savez, il y a des choses. Lorsque vous marchez dans la consécration, vous serez sûr de vous-même d'abord. Vous ne pensez pas seulement que la foi, c'est croire seulement en Dieu. Vous devez croire en vous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si toi-même tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Tu ne peux pas croire en Dieu si tu ne crois pas en toi-même. Marche dans la consécration. Je suis sûr de Dieu, mais je suis sûr de ma marche. Je sais d'où je viens, où je suis, où je pars. Amen. Tu ne peux pas me faire peur. Tu ne peux pas me faire peur. Parce que quand je rougis là, ça devient dangereux. Il faut marcher dans la consécration. J'arrive à la fin pour terminer. La Bible, c'est un livre de mystère et c'est un livre de pratique. Moi et ma femme, nous vivons avec ces pratiques. Nous dormons par terre, nous renonçons à beaucoup de choses. Je peux me permettre de m'appeler une belle voiture et une voiture neuve. Mais il faut savoir renoncer à certains privilèges pour la mission que Dieu vous a donnée. Il faut savoir renoncer à certains privilèges. J'ai dit à ma femme, attends, dès que la chose que j'attends va arriver, je ne vais pas me coiffer comme je me coiffais avant, mais je vais nettoyer la tête. Je vais essayer de nettoyer. Quand je vais saper, je sape. Hein? Ah ben oui. Tu vois, quand tu es sûr de toi, quand tu es sûr de toi, tu ne peux pas paniquer. Tu comprends ça? Parce que je sais que si je vais saper, je vais vraiment saper. Et tu vas dire que, ah, il est bien habillé. Hein? Tu vas dire ça. Mais ce n'est pas le temps. Parce que c'est le temps de la sémence. C'est le temps de donner, ce n'est pas le temps de recevoir. C'est le temps de fermer la bouche, ce n'est pas le temps de parler. C'est le temps de se réfugier, se retirer, ce n'est pas le temps d'apparaître. Apprenez ça, apprenez cette vie de consécration, apprenez ça, faites ça, et vos enfants vont faire la même chose. Depuis presque 7 ans que je ne me coiffe pas, je peux seulement aller, on pouvait seulement arranger un peu. Là, ça fait presque une année, le rasoir ne passe plus. Moi, je n'ai pas dit à mes enfants de laisser les cheveux. Dès que moi, je leur dis, décider de ne plus me coiffer. Les garçons ont dit, nous aussi on se coiffe. Naturel. Regardez, on va vous mettre les photos. On se coiffait tous. Dès qu'on a eu le combat là, l'intifada qui a été déclenchée en 2013. C'était l'intifada. Hein? Vous connaissez l'intifada, non? Chez nous, c'était l'intifada. Naturellement, les enfants, les garçons ont commencé à laisser les cheveux. Je ne vous ai pas dit que vos enfants font plus ce que vous faites plutôt que ce que vous dites. C'est les nazuriats, c'est la consécration. Et quand vos enfants vont voir ça, je crois l'un d'eux, et ça fait 3 ans, il a le même sac au dos. Papa change de sac au dos, papa c'est encore bien. On va gaspiller l'argent pour quoi? C'est encore bien. Je vais compter avec le même sac. Apprenez à renoncer à certains plaisirs. La vie de la consécration, c'est le renoncement, l'abstinence. L'abstinence, c'est un renoncement volontaire.
C'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire. Dès que tu as un 10 000 là, hé! Pourquoi? J'ai mon argent, je ne vais pas souffrir. 10 000! Alléluia. Amen. C'est ça la consécration, savoir renoncer à certains plaisirs. C'est dédié à Dieu. Et cette année, on a dit, c'est l'année de vœux et des alliances. Quand on fait un azuria, on fait un vœu. On se dit, Seigneur, tant que je n'ai pas vu ça, je dors par terre. Tant que je n'ai pas vu ça, je vais m'habiller comme ça. Tant que je n'ai pas fait ça, je ne vais pas manger comme ça. De temps en temps, à la maison, je dis, bon, pendant 3 mois, il n'y aura pas de jus. Vous savez, les enfants aiment beaucoup de jus. Hein? Pendant 3 mois, on est arrivé à faire même 6 mois. Pendant 6 mois, il n'y aura pas de jus. On va boire que de l'eau. Pendant 6 mois, ce sont des exercices que vous apprenez à vos enfants. Et quand les enfants savent qu'ils ont le moyen d'avoir quelque chose, ils ne l'ont pas tout simplement pour un objectif. Vous êtes en train de préparer des lions. Amen. Et des lionnes. Amen. Vous êtes en train de préparer des caterpillars. Des enfants qui peuvent s'adapter à toute situation. Qui ne vont pas finir chez le psychologue parce qu'il y a un problème. Non. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons clôturer pour la réconsécration de nos familles. Hier, nous avons entendu le message. Comment Élie a fait descendre le feu. Il a pris 12 pierres. Et pourtant, à cette époque-là, la famille était divisée. Il y a une maman qui m'a dit, je veux que mes enfants soient ensemble. Ils sont divisés. Ce n'est pas un problème. Il faut faire les Nazurias, il faut rebâtir l'autel. Il a pris les 12 pierres, 10 tribus du nord, il a mis ensemble. Il a rebâti l'autel. Il a mis l'offrande. Et après, il a demandé l'eau. Et quand il a prié, le feu est descendu. C'est ce que nous allons faire ce soir. Chaque fois que Satan entre dans votre vie, la première des choses qu'il fait, c'est casser l'autel. C'est vous empêcher d'offrir à Dieu. C'est ce que je vous ai donné en Daniel 9. Que même l'antichrist, quand il va venir, la première des choses qu'il va arrêter, c'est l'offrande. Parce que la communion du monde spirituel et le monde physique se passe à travers le sacrifice. Quand on vous arrête de ne pas donner votre dîme, quand on vous arrête de ne pas donner vos offrandes, on est en train de vous empêcher d'accéder dans le monde spirituel. C'est nous qui négligeons ça. Les sorciers ne négligent jamais les choses. Et dans la Bible, déjà dans la loi, était permis d'apporter l'argent. Il y avait l'argent en tant que métal, n'est-ce pas? Et l'argent, depuis les temps anciens, a toujours servi comme un élément de troc. Quand tu as l'argent, tu peux obtenir quelque chose en échange. Et si tu n'as pas l'argent et tu as quelque chose, tu peux recevoir l'argent à travers ce que tu possèdes. Et dans Malachie, Dieu lui-même dit, mettez-moi à l'épreuve. L'argent, c'est un pouvoir. Aujourd'hui, on n'a pas besoin que vous nous ameniez les moutons ici. On va les mettre où? Imaginez-vous, on ne sait pas combien, si vous nous amenez. Milan, tu te rends compte, on nous a amené un mouton. On avait fait la consécration des serviteurs de Dieu. Et l'un de mes jeunes pasteurs, il a eu l'idée de nous amener l'offrande. C'était un mouton. Gros comme ça. Hé! On a pris le mouton, on a prié. À l'église, là, je n'avais pas vraiment senti ça. On a prié, puis les autres ont amené l'argent. Ne m'amenez pas les moutons. La Bible permet. Je vous ai donné le verset. La Bible permettait que tu peux vendre ton mouton et tu amènes l'argent au temple. Je vous ai donné le verset dans le Deutéronome. Ne m'amenez pas les moutons. Ça nous a créé des problèmes. Quand le culte est fini, là, bon, dans les voitures, on est déjà nombreux. Mais maintenant, les moutons,
On va l'amener comment 70 km de la maison. Il fallait qu'un frère puisse aller déposer sa famille, revenir prendre les moutons et venir les déposer chez moi à la maison. Il faut mettre les moutons où? On a mis les moutons dans la cave. Et moi, ça fait des années que j'ai vivé déjà, ça fait déjà plus de 20 ans. Aujourd'hui, là, j'ai du mal, même un poulet, là, je ne peux pas tuer. Moi, j'étais chasseur. Hein. Mais aujourd'hui, si tu me donnes de tuer même un poulet, je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive plus. Non, je n'arrive plus à tuer comme quand j'étais dans la brousse, quoi. Maintenant, le matin, j'ai rêvé comme ça, j'ouvre comme ça, je vois le mouton. J'ai eu pitié. Je suis monté, j'ai dit à ma femme, on doit libérer ces moutons. Je vous assure, j'ai eu pitié des moutons. J'ai dit, qui va tuer ces moutons? Moi? Vous voyez? Il faut amener l'argent. Parce que ça, j'ai eu pitié des moutons au point que j'ai eu l'idée de libérer les moutons. Maintenant, en Europe, je sais si tu libères les moutons comme ça et qu'ils fassent l'accident. On va chercher le mouton et sortir au goût. C'était maintenant un problème. Bon, il faut chercher l'abattoir. Effectivement, on a cherché un abattoir. J'ai dit, moi, je ne vais même pas savoir ça là. Prenez le mouton. Si même vous le tuez là, ne me dites pas où, comment vous avez fait. J'ai pitié du mouton. Amen. Amen. Je vous prêche des choses vraies, pragmatiques. Que personne ne vous mente là-bas. À l'époque, ils se sont donné l'argent. Je vous ai donné Deutéronome. La Bible permettait que tu puisses vendre l'objet et amener l'argent. Donc, dans ton enveloppe, tu as mis les noms, comme Élie a fait. Il a mis les noms de tous les 12 autres, symboliquement à travers des pierres. Il a mis l'offrande. Et il a prié. Le feu est descendu. Nous allons prier. Le feu de Dieu va descendre. Amen. Le feu de Dieu va descendre. Et nous allons prendre ces enveloppes. Et nous allons prier notre Dieu, moi et ma femme. Parce qu'après cela, Élie est parti sur la montagne pour que la pluie tombe. Après le feu, vous aurez besoin de la pluie. Amen. Acclame le Seigneur.